On sait qu'une ville, ça se construit avec plein d'acteurs. Il faut des lieux de rencontre où ils puissent justement débattre, tenter de se comprendre l'un l'autre et de s'écouter. Et surtout d'avoir des personnes qui arrivent avec des idées originales, d'avoir justement des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Et je pense que ce genre de salon permet en tout cas ce genre d'échange. I think the importance of having platforms like these to have an open discussion about the future of real estate is that it brings different players from different backgrounds together. The urbanists, technologists, developers, investors. Ook heel veel politici aanwezig, dus een groot mix van het vastgoed en heel blij om daar te mogen aan deelnemen. Het altijd deugd dat al die partijen samengebracht worden. Wat heeft men hier gedaan? Men heeft de burgemeester samengebracht, men heeft de administratie samengebracht, de ruimtelijke ordening samengebracht en we hebben de vastgoedsector zelf samengebracht. En dat is altijd, laten we zeggen, zeer, zeer leerzaam. Mais c'est important d'être ouvert à toutes les pistes de solutions qui nous sont proposées par tout le monde, de pouvoir échanger, discuter. Et donc oui, c'est super important d'être là pour pouvoir entendre toutes les innovations qui sont présentes sur le territoire de Bruxelles. C'est vraiment un salon pluridisciplinaire qui propose énormément de solutions et qui propose aussi de prendre le temps de la réflexion pour se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est aussi l'un des atouts majeurs de Realty. Ik ben zeer blij dat het plaatsvindt hier in de Gare Maritiem, in dat mooie binnenlandschap, maar ook aan de vijvers die we onlangs ontwikkeld hebben. Kijk, ik denk dat deze city misschien in België toch wel een zeer emblematische city is om vernieuwbouw van de Gare Maritiem, nieuwe gebouwen, die vijvers, het landschap van die allemaal te laten samengaan in één groot integraal project. So Realty 2023 feels like a 2.0 version of the previous editions of Realty because we put a higher focus on networking facilities, on the content of the speakers and the conferences, but also in experiencing the summit as a whole. And you can feel it.